The word of God alive. Qui amène la parole de Dieu en vie. Amen. He enlightens your understanding. C'est lui qui ouvre ta compréhension. Pour que tu puisses voir la vérité. That's what you need. That's pourquoi tu as besoin de lui. Amen. Not as the power, but as a person. Pas comme la puissance, mais comme une personne. But you have to approach the Holy Spirit as a person. Tu dois approcher le Saint-Esprit comme une personne. To be in relationship with him. Pour être en relation avec lui. The same way he is in relationship with God. Comme il est aussi en relation avec Dieu. Et il peut t'amener aussi dans cette relation. Pour que tu puisses être en relation avec Dieu le Père. À travers le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de vivre dans la période du Saint-Esprit. Ceci est la période du Saint-Esprit. Jésus est venu en mission. The same God, le même Dieu who is one, qui est un and three, et trois, the Father, le Père, send the Son, l'envoyé le Fils in a mission. En mission. Amen. Amen. The Son came, le Son est venu, accomplished, il a fait le travail parfaitement. Everything that he's supposed to do. Tout ce qu'il devait faire. And that's why we are saved. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Parce que Jésus, il a fait sa mission à travers le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, la même mission, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire à travers toi, en toi. You are in mission now. Tu es maintenant en mission. The same way Jesus was in mission, comme Jésus était en mission through the Holy Spirit, à travers le Saint-Esprit, the same way you are, la même façon toi aussi tu es, that's why you need the Holy Spirit. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Because even Jesus, même Jésus who was born, qui était né with the Holy Spirit, avec le Saint-Esprit, but he needed the Holy Spirit. Il avait besoin du Saint-Esprit. The Holy Spirit came upon him. Le Saint-Esprit est venu sur lui. And he said himself, et lui-même a dit, the Spirit of God is upon me. Le Saint-Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint avec la puissance. Jesus said that, Jésus a dit, j'ai l'onction de Dieu. Je suis oint avec la puissance. Pour faire la mission. That's why you need the same anointing. C'est pourquoi tu as besoin du même onction. And Jesus is the place. Et Jésus where we are anointed. Est la gloire où nous sommes oints. The Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. Where we have the seal of the Holy Spirit. Là où nous avons le cachet du Saint-Esprit. Where we have the seal. Nous avons le cachet. The Holy Spirit is the seal that. Saint-Esprit. Nous avons ces vaisseaux que nous avons pour faire la mission de Dieu. Nous allons voir ce jour. Parce que nous voyons la mission du Saint-Esprit pour montrer la personnalité du Saint-Esprit. Is God in mission? God is always in mission. Since Adam and Eve disobeyed. Depuis que Adam et Eve ont désobéi, Dieu est en mission. Amen. Amen. Can you go to 2 Corinthians 5? Allons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Can you start from 17? À partir de 17. De Corinthiens